un vrai parcours de cross. Il y a des petits trous, il y a des petites bosses, l'herbe est un petit peu haute, mais c'est un vrai parcours de cross. Et c'est ça qui est formidable dans ce parc. D'accord ? Donc vous regardez bien où vous mettez les pieds. Près de 600 élèves de primaire s'étaient donné rendez-vous ce matin pour la nouvelle édition du Cross des écoles. Et les courses se sont enchaînées par catégorie. Les cours élémentaires filles, puis garçons, suivis des cours moyens, également en deux parties. Et cette année, le lieu de la course s'est vu déplacer. Exit le stade Annette Sergent, bonjour le parc du Moulin Vert. Un judicieux moyen de voir également participer à cette rencontre sportive et conviviale, les enfants de cet institut spécialisé. Jean-François Le Guénou, principal organisateur de l'événement, nous présentait le mode d'organisation de cette matinée. Bon, ce matin, c'est la course des cycles 3, parce qu'on manque un petit peu de temps pour organiser la course de toutes les classes. Donc on aura une deuxième manifestation après les vacances d'hiver. Donc à la demande des collègues enseignants du Moulin Vert, nous avons investi les lieux et c'est une superbe réussite. Moi j'ai passé un très bon moment. Déjà mardi, à installer avec les élèves du Moulin Vert et les trois enseignants ce parcours dans un superbe cadre. Je pense que tous les enseignants sont contents d'être là aussi. Et puis les enfants du Moulin Vert courent, les enfants du Moulin Vert participent aussi aux différentes tâches, notamment au buffet. Donc là, on a un établissement qui est pleinement investi dans cette organisation. Et je pense qu'à l'avenir, on reviendra dans ce... Nous nous retrouverons donc au beau jour pour suivre le cross des plus petits.